Eh bien, salut à tous, c'est UrbanXU06, le petit parisien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 3 sur Xbox. Donc, aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer le concept de cette vidéo. Donc, juste quelques informations par rapport au gameplay que je vous présente. Nous sommes sur la map Opération Tempête de Feu, en match à mort par équipe. Et je vais jouer avec ma classe Assaut. Je crois que l'arme, c'est le AK-74M avec un viseur thermique. Justement avec le viseur thermique que je vais en parler pendant cette vidéo. Voilà. Donc je fais le premier kill par contre. Alors ma seconde arme, je crois que c'est le M3 tactique. J'ai aussi un lance-patate, si on peut dire, le M320. Je joue aussi avec le défibrillateur et para-éclat. Donc voilà, juste les petites informations. Donc je viens de faire deux petits ennemis. Il y a eu un petit bug au début de la partie. Il y a marqué tenez-vous prêt début de la manche dans 0 secondes. Sauf que voilà, enfin il y a un petit bug, c'est pas trop grave. Dès que je vais mourir là, ça va se régler. Donc pourquoi je vous présente cette vidéo? Parce que c'est plutôt un bon. Enfin. Un score qui me plaisait et qui m'a satisfait. Donc je vais parler un peu de la visée thermique. Donc pour savoir est-ce que vous trouvez ça cheaté? C'est un peu ça le concept de cette vidéo. Donc par contre juste pour préciser, le début du gameplay n'est pas extraordinaire, mais après je vais enchaîner les kills pas trop mal, même si je vais un peu bourriner, voilà. Oui, je disais donc, est-ce que vous trouvez le visé thermique cheaté? Oui et non, parce que enfin, il est assez cheaté parce que c'est bah, voilà, c'est un visé thermique et la vision thermique nous aide à voir les ennemis beaucoup plus facilement. Tout est en vert et les ennemis sont vraiment. Enfin, ils sont vraiment. On les voit vraiment, vraiment bien. Enfin, je sais pas comment on dit le terme pour bien les voir. Ils sont vraiment voyants, on va dire ça. Mais bon, voilà, il est vraiment assez cheaté. Sauf que par rapport avec l'arme qu'on utilise, voilà, c'est parfois il y a peut-être un peu moins de, enfin je sais pas. Parfois avec certaines armes qu'on tire, on a plus de recul que si on tirait en scope par exemple au corps à corps avec un AK-47, enfin avec un AK-47, avec des armes AK ou AKU sur Battlefield. Et donc durant ce gameplay, je vais rester parfois dans ce bâtiment puisque les ennemis vont commencer à nous encercler. Et voilà. Donc vous avez pu voir au début du gameplay l'intro et voilà l'introduction de la chaîne francophone officielle de Battlefield 3 qui s'appelle Battlefield 3 Zone. Donc j'espère qu'ils pourront uploader ce gameplay sur leur chaîne, ce serait sympathique pour essayer de me faire connaître. Voilà. Donc si ce gameplay passe sur Et eh bien sur leur chaîne, je tiens à me présenter, je suis un petit youtubeur de Paris, puisqu'on m'appelle le petit parisien. Et puis voilà, je fais des vidéos fun un peu sur tous les jeux, je fais quelques démos. Et puis voilà, si vous voulez suivre mes aventures, bon bah suivez mes aventures, venez sur ma chaîne et puis voilà. Donc là, je ramasse, je sais plus du tout comment s'appelle l'arme, je sais c'est un peu comme une grosse sulfateuse. Là, c'était la première fois que je l'utilisais vu que j'ai juste ramassé. Je suis resté. Là, je suis allé me cacher parce que. Enfin, plus ou moins une ou deux secondes. Parce que je l'ai trouvé vachement puissante. Donc, revenons par contre au sujet de la vision thermique. Est-ce que vous trouvez ça cheaté? Moi, je trouve ça quand même cheaté. Puisque dans tous les jeux, une vision thermique, c'est très très facile de voir les ennemis. Après, si on a un petit chargeur, on peut pas enchaîner les ennemis sauf si on bourrine. Donc, voilà. Donc, là, ils étaient trois. Donc, là, j'en ai tuer un peu difficilement. Voilà. Donc par contre, quand par exemple un ennemi court à côté de vous et que vous visez avec la vision thermique, c'est beaucoup moins précis que si vous tirez par un oscope sans la vision thermique, quoi. Donc là je viens d'enchaîner deux petits kills et puis je me suis fait cuter. Je me suis fait humilier, si je peux dire. Donc là je reviens en force avec la pêche. Voilà. J'enche ma petite grenade. Hop. Donc ce qui est un peu dommage dans ce Battlefield, voilà, c'est comme vous avez pu le voir au début de la partie, bah, c'est le respawn. Automatiquement, enfin, la plupart du temps, quand on commence une partie, eh bien, on commence une partie juste à côté d'un ennemi ou voilà, ou de plusieurs ennemis, ou c'est le contraire, c'est les alliés qui commencent leur partie à côté
d'ennemis quoi. Enfin, les alliés qui apparaissent juste à côté et qui se font tuer directement. J'ai testé aussi, c'était une de mes premières parties avec le viseur thermique. Voilà. Donc bon bah je suis bon voilà, Battlefield c'est un jeu de guerre, c'est pas comme Call of Duty, enfin bon on va pas lever le débat mais voilà. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu où voilà où on défonce un peu où, enfin c'est vraiment la guerre quoi. Donc là j'aurais pu me faire facilement les trois ennemis mais l'ennemi est passé entre mes jambes, enfin voilà. J'ai quand même raté une petite triple que j'aurais pu faire un petit cut au, je pense au passant. Enfin en passant plutôt. Donc voilà. Donc là je sais pas ce qui va se passer. Là je bourrine vraiment. Vous voyez par exemple, ce qui est un des avantages par rapport à la thermique, c'est quand on vous aveugle avec une petite lampe torche, quand on fait allumer, éteint, enfin quand on vous aveugle quoi. Donc là il y a un petit campeur, je l'avais pas vu. Voilà. Enfin un petit campeur. Un petit monsieur, un petit méchant qui se cachait quoi. Donc voilà, là, quand on vous vise par exemple avec une lumière et que vous visez avec votre viseur thermique, bah vous êtes carrément aveuglé, voilà, vous l'avez vu juste avant dans plusieurs kills. Donc, je crois que le gameplay va pas trop se tarder à se terminer. Je pense qu'on va perdre ou on va gagner, je sais pas, mais c'est pas le principal. Enfin si, le principal, le but du jeu c'est de gagner, mais bon, voilà. L'important c'est de faire un bon score honorable et voilà. Donc voilà, la question un peu du jour, ça serait, est-ce que le viseur thermique, c'est pour vous, c'est cheaté ou pas? Parce qu'il y a ses avantages et désavantages. Mais aussi il faut pas oublier qu'on est dans un jeu de guerre et on n'est pas dans Call of Duty, etc, etc. Voilà. C'est comme aussi pour le M320, si c'est ça le lance-patate. Enfin, j'appelle ça un lance-patate. Mais c'est un lance-grenade plutôt. Voilà. C'est comme le lance-grenade, moi je trouve pas ça trop cheaté puisque les bâtiments explosent. Moi je m'en sers surtout pour ça, pour. Voilà. Donc là il y a un autre méchant qui m'a tué. Au F2000. Je crois que c'est ça. J'ai pas débloqué cette arme ou je l'ai pas testé encore. Non, je pense pas l'avoir débloqué. Donc par contre, par rapport à mon niveau, voilà. Je suis pas haut level du tout parce que bon bah voilà, ça prend vachement de temps d'augmenter les niveaux comme dans Battlefield Bad Company 2. Donc là je crois que le gameplay va se finir. Voilà, j'aurais pu enchaîner les deux derniers kills mais bon c'est pas grave. Donc notre équipe bah, a perdu. Bon, bon on s'en fout, voilà, c'est pas si grave. Donc je termine sur un 24-6, premier de toute la partie des deux équipes. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Et dites-moi si vous trouvez le viseur thermique vraiment cheaté ou pas. Donnez-moi des conseils, par exemple, si ça peut m'aider, par exemple, ou vous aider à un petit débat sur mieux jouer avec la visée thermique ou d'autres accessoires qui peuvent mieux servir, qui sont moins cheatés ou pas. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Bon, bah voilà, j'ai eu plus de 5000 points d'XP, ça m'a fait assez plaisir parce que j'étais assez content. Il me restait plus que 190 points pour. Pour passer niveau supérieur, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, allez, je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.